C'est l'événement qui va se passer dans cette année de 1990. Et je lui ai dit, d'accord. Et il m'a pris dans ses bras. Et il m'a soulevé. Je comprends pas. 1990 ou bien 2010? Non, c'est 1990 que le Seigneur s'est révélé à moi. C'est en 1990. 1990. Que Jésus-Christ est rentré dans la cour de ma famille pour la première fois. Pour la première fois. En 1990, il a dit, je te prends et ce que je vais aller te montrer, c'est la pure vérité et tu vas témoigner de cela. Alléluia. Et il m'a soulevé comme un bébé. Dès naissance, on s'est retrouvé à la Mecque. On arrive à la Mecque. On n'est pas directement parti à la Mecque. On est parti sur une colline. Et je lui ai dit, mais Seigneur, la colline là, c'est quoi? Il dit, il t'a fait monter sur une montagne. Une montagne. Très bien. Et on était en haut, on ne touchait pas la montagne. Il dit, c'est ici, Mohamed Lassalam a été visité par deux esprits. Il n'a pas dit par deux anges. Il dit par deux esprits. Très bien. Et je lui ai dit, il dit, oui, tu doutes. On t'a fait dire que c'est des anges, mais ce n'est pas moi que Mohamed Lassalam adorait. Ce n'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth, que Mohamed Lassalam
adoré. Que cette montagne-là, je te le montre. Parce que Mohamed Lassalam a été visité par des démons. Mon cœur s'est coupé. Et j'ai vu que j'étais dans l'horreur. Et il m'a dit, c'est là, on l'a, les démons l'ont visité et les démons lui ont donné le Coran. Et les démons l'ont visité, que ce n'est pas les anges. Voilà, toi, musulman, tu peux venir démentir, hein, parce que vous avez plein d'arguments. Mais je parle à toi qui es né islam et tu veux mourir islam. Voilà la vérité derrière ta religion. Mohamed Mahomet n'a jamais été visité par un ange. Aucun ange venant de Dieu ne peut venir mettre en cause ce que Dieu même a déjà établi. Dans toute la Bible, tous les prophètes qui ont travaillé dans la Bible, aucun prophète n'est venu dire le contraire de ce que notre prophète a déjà dit. Au contraire, c'est pour compléter. Mais chez vous là, vous dites que non, les prophètes de la Bible ont déjà fini leur travail. Et que le dernier prophète est reconnu maintenant que c'est Mohamed. Mais depuis Mohamed est mort, il n'y a pas un autre prophète. Chers musulmans, je vous le dis en vérité, Satan vous a bien mis dans la sauce. Et il vous prépare. Et vous êtes bien assaisonné. Et il va vous manger en enfer. Je vous le dis en vérité. Sortez de l'ignorance. Sortez. Sortez. Je vous le dis. Sortez. Il n'y a aucun traitement de faveur que Satan vous réserve en enfer. Je vous le dis. Voilà la vérité cachée. On l'a amené sur la colline. Beaucoup de musulmans ne connaîtront jamais cette colline. Mais on l'a amené. On lui a montré, Jésus lui a montré là où votre Mohamed a reçu la visitation que vous appelez visitation angélique. Mais la vérité, c'est des démons qu'il a reçus, qui lui ont transmis le livre de l'enfer, appelé Coran. Et c'est ça qui vous conduit. Mais nous vous demandons pardon. Repentez-vous, sortez de ce chemin des ténèbres, venez à la lumière pour être sauvé. Jésus vous aime. Continue ton témoignage, servante. Et quand Dieu m'a montré ça, quand on a fini, il est parti me montrer la tombe de Mohamed Lassalam. Or, je n'étais pas né quand Mohamed Lassalam vivait sur terre, je n'étais pas encore né. Et la tombe de Mohamed Lassalam s'est ouverte. Et j'ai vu des bêtes et tout. Et j'ai demandé, mais ça c'est quoi? Il me dit, c'est la tombe de Mohamed Lassalam. Mais j'entends, il se trouve en enfer. Je ne connaissais pas l'enfer. Ah, tu entends? Le Seigneur lui a montré que votre prophète chouchou est en enfer. Votre cher prophète est malheureusement en enfer. Vous pouvez dire que c'est fou. Mais meurs pour voir. Meurs pour voir. Mais nous jouons notre rôle de t'avertir. Voilà ce que le Seigneur lui a montré. Le Seigneur lui a montré la colline sur laquelle les démons lui ont transmis le Coran, qui est devenu le livre le plus saint selon vous. Le livre directement sorti de l'enfer pour rivaliser la Bible. Mais le Coran ne peut pas rivaliser la Bible. Je vous le dis en vérité. Quand vous prenez le Coran, vous allez voir que on a pris les choses de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, qu'on a traficoté. On a piraté pour fabriquer le Coran. Le diable est très très rusé. Et vous allez voir que certaines choses sont dans la Bible et se retrouvent un peu sous une autre forme dans le Coran.
Et ils vont te dire que oui, que c'est le Coran qui est la vérité. Si c'est le Coran qui est la vérité, dites-moi, Moïse qui a conduit le peuple d'Israël, dont votre Coran a parlé là, est-ce que le peuple d'Israël que Moïse a conduit, est-ce que c'est les enfants d'Ismaël ou bien c'est les enfants d'Isaac? Répondez, vous n'allez jamais trouver la réponse. Vous qui aimez mentir aux petits musulmans qui n'ont jamais eu accès à la vérité, vous les empêchez de toucher la Bible parce que vous savez que le jour où ils vont toucher la Bible, leurs yeux vont s'ouvrir. Mais même s'ils ne touchent pas la Bible, par les réseaux sociaux aujourd'hui, le Seigneur est en train de déchirer le voile de l'islam de leurs yeux. Et Jésus-Christ est en train de les arracher de vos mains, de votre courant de mosquée. Jésus est en train de les délivrer. Il va continuer. Continue ton témoignage. Donc, bien aimé, c'est dans ça, quand j'ai vu la tombe de Mohamed la Salam, que le Seigneur m'avait montré, j'ai eu vraiment mal. Et à la suite de ça, on est rentré à la Mecque. La Mecque est grand. Quand je dis la Mecque, la Kaaba, la Mecque où il y a la Kaaba, est très grand. On est rentré dans une mosquée très grande. Les gens citaient le Coran. Mais les écritures qui étaient écrites, le Seigneur traduisait ça, m'expliquait que les écritures ne venaient pas vraiment de lui. Tout était écrit en arabe. Mais j'ai vu qu'à la fin, quand Dieu traduisait, c'était des abominations que nous prononcions. Et le Seigneur a dit, j'ai dit, donc c'est comme ça, la Mecque est jolie, est grande. Et le Seigneur me dit, c'est pas ici, je suis venu te montrer, c'est pour te faire visiter. Voilà où tes parents qui viennent, ils prient. Et j'ai dit, vraiment, c'est grand. À la suite de ça, il y a un endroit où, quand vous finissez vos pèlerinages, vous marchez, vous partez, où on pisse l'eau. On pisse l'eau. Même chez les catholiques, ils font ça, ils vont à la Mecque, ils vont aux choses. Ils vont au pèlerinage, ils envoient de l'eau bénie. Dans le Coran, à la Mecque, là-bas, il y a l'eau aussi qu'on appelle l'eau bénie. Et il m'a amené vers l'eau. Et il y a une grotte, l'eau coulait. Dieu, maintenant, va ouvrir mes yeux. Je ne connaissais pas vision. Je vous dis, même son, je ne connais pas vision, je ne connaissais pas. Dieu va m'ouvrir les yeux. Il va dire, regarde, l'eau coulait. L'eau coulait même. Et Dieu dit, regarde au fond. Je regarde au fond. Je vois caméléon gros. Mais ce n'est pas caméléon qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est un caméléon démon. Quand les gens passent sur les pieds, je voyais les gens qui parlaient et qui jetaient, comment on appelle ça, les pièces et les cailloux, les petits cailloux. Et le caméléon démon la prend. Et maintenant, quand le caméléon prend, derrière le caméléon, j'ai vu Python à deux têtes, avec les yeux rouges. Donc, quand j'ai fait comme ça, je suis tombé en même temps. Dieu était derrière moi, il m'a tenu. Il dit, n'aie pas peur. Je veux te montrer le secret et le Dieu que tes parents t'ont. Pour que tu saches que ce n'est pas mon Dieu que tes parents t'ont. Et à la suite de ça, il m'a pris maintenant. On est parti à la Kaaba. Quand on arrive à la Kaaba, je ne touchais pas le sol de la Kaaba. J'étais genre suspendu. Et l'Éternel était avec moi. Il dit, maintenant, l'événement que je vais te montrer, c'est un événement qui va bouleverser ta vie. Mais tu as un choix à faire après tous ces événements. Et le Seigneur maintenant va me dire quoi? Regarde bien. Je regarde. Je dis, Seigneur, je ne vois rien. Et c'est là, les creux des mains du Seigneur qui m'a monté. Il va prendre et puis il va mettre dans mes yeux. Et puis le Seigneur va faire quoi? Il va faire quoi? Trois fois. Et il dit, ouvre tes yeux, j'ai ouvert mes yeux. Il dit, tu vois quoi? Et puis il dit, Seigneur, je vois les gens qui tournent autour de la Kaaba. Il dit non. Fixe bien, je vois les gens qui tournent de la Kaaba. Et il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens qui tournent. Il dit, regarde bien. Bien aimé, quand le Seigneur m'a dit de regarder bien, et j'ai oublié une chose.
quand je suis avec le Seigneur, il prend toujours sa main droite où il y a les creux de ses mains. Il dépose sur mon épaule droit. On me dit qu'il est là, faut pas avoir peur. La droite triomphante de l'Éternel qui te soutient. Alléluia. Donc, sa main droite est toujours sur mes épaules droites. Yes. Et il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens tourner. Il dit, fixe, va, fixe encore profondément. C'est comme ça le Seigneur. Fixe profondément. Quand j'ai fixé profondément, je vois la tête des hommes. Et ils ont commencé à faire le tour. Et j'ai dit, Seigneur, je vois des signes de serpent. Parce que quand ils font le tour de la capa, c'est le signe de serpent. De la tête jusqu'à la queue. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, je vois un signe de serpent. Il dit, maintenant l'heure est arrivée que tu vas voir le Dieu que tes parents adorent. Le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que le Seigneur te fortifie. Dieu, il est puissant. Alléluia. Il a, même un sorcier va vous dire que je peux déterrer une maison entière. Mm-hmm. Je vais vous dire que c'est faux. Mm. Le diable imite toujours la puissance et la grandeur de Dieu, mais il ne peut pas être fort que Dieu. Jamais. Ni puissant que Dieu. Jamais. Je vous dis que de la même manière que la cape a été construite comme une maison, l'Éternel par un seul doigt a pu enlever cette cape de le sol. Et amener cette cape jusqu'au sommet, entre la terre et le ciel. J'ai regardé les merveilles de Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais vu des gens qui ont fait des miracles instantanés. Mais le Seigneur, il a déterré la cape et il a mené la cape à un niveau élevé. Et quand j'ai regardé ça, tellement j'étais impressionné, j'ai dit waouh. Non, tu es en train de me montrer qui tu es. Alléluia. Alléluia. Tu me montres qui tu es. Yes. Tu me montres comment tu es puissant. Alléluia. Tu me montres comment tu es glorieux. Alléluia. Et l'Éternel me dit, c'est pas ça. Ne regarde pas la caba. Ne regarde pas. Même pas que quand tu as enlevé la caba, les gens tournaient sans savoir ce qui était en bas. L'Éternel, j'ai vu la caba soulever. Et je regarde les gens tout et je vois le gros serpent qui se lève, géant, qui est en bas de la caba et qui avait une couronne. Je dis, mais cette couronne, je reconnais cette couronne parce que cette couronne, la reine de l'Angleterre a la même couronne. Et le Seigneur dit, voilà le Dieu que tes parents ont. Mais ce n'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth. Et le serpent s'est retourné. Voilà comment je vais savoir que ma famille côté paternelle m'a vendu comme sacrifice. Ça veut dire que si je demeurais dans la religion musulmane, cette famille allait connaître toujours la richesse parce qu'ils sont riches abondamment. Ils allaient te vivre de la richesse. Et moi, j'étais misérable. Or, pourtant, j'étais une sacrifice. C'est comme ça que beaucoup de parents, imams, ont vendu leurs enfants à Allah dans, à travers les rituels marabouts. Hein? Des rituels chez les marabouts pour s'enrichir. C'est ça que vous allez voir devant les mosquées. Des gens qui sont comme ça. Des gens qui sont crottés, des gens qui sont paralysés. Vous allez voir des affaires, vous savez quoi. Il y a toutes sortes de ces cas-là. Mon frère, ma soeur, on parle de ta religion. Que tu dis que tu vas mourir dedans. Parce que ta famille ne connaît que ça. Je te dis, on a dit tout à l'heure que moi-même, le Seigneur lui a clairement dit que il est en enfer. Mais il t'a fait mentir que si toi tu meurs dans l'islam, que tu vas aller coucher 72 vierges au paradis. Dans ton paradis là, on va aller jouer la pornographie dans ton paradis. Et tu vas coucher au milieu de 70 vierges et tu vas palper leurs seins. Voilà l'impudicité
que le Coran vous prêche. L'abominable impudicité, pornographie qu'on vous prêche dans l'islam. Et vous osez dire que c'est le véritable Dieu que vous adorez. Alors que vous savez très bien, vos devanciers savent très bien. Il y a plein d'imams qui sont abonnés sur ma page Facebook et qui me suivent très bien. Et ils savent que nous sommes dans la vérité. Ils ne peuvent pas oser dire que ce que nous disons est faux. Parce qu'ils savent qu'ils conduisent des milliards de personnes en enfer. Vous, le Seigneur vous permet d'écouter ce témoignage pour vous libérer, pour vous délivrer. Et si vous recevez ce témoignage, partagez au monde entier pour que le monde sache ce qui est caché derrière cette religion. Cette religion de mensonge, cette religion de séduction, cette religion de l'enfer. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers moments. Et Jésus-Christ a dit, rien ne restera caché avant la trompette. Rien ne va rester caché avant son avènement. Donc, nous sommes dans les dernières minutes. Même ceux qui veulent aller en enfer, là, ils connaîtront la vérité avant de choisir de suivre le mensonge. Personne ne mourra dans l'ignorance. Tout le monde saura la vérité avant de choisir la voie qui lui plaît. Ma soeur continue. Et c'est là le serpent s'est retourné. Et je dis à Dieu, j'ai eu peur et le Seigneur me dit, le Seigneur me parlait dans mes oreilles droites. Il me dit, ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Le serpent me dit, je suis très heureuse de te voir. J'ai tiqué et la main droite de l'Éternel était toujours sur mon épaule. Mais j'entendais la voix de Dieu dans mes oreilles droites. Ne crains rien, je suis avec toi. Le serpent me dit, mais tes parents m'avaient dit que tu allais venir à la Mecque. Mais je voulais vous dire que j'étais vraiment... ils avaient décidé d'organiser dans les, à la longue, dans la réalité, que comme je suis quelqu'un de pieux, prière et tout, qu'eux-mêmes, ils allaient s'organiser même, m'envoyer à la Mecque. C'était leur projet. Mais moi, sans, je me suis dit que c'est des plaisirs, c'est des cadeaux. Oh, pourtant, en bas de ça, c'était des sacrifices. Voilà. Je viens de loin. Frères et sœurs, vous qui êtes musulmans, je vous invite et je vous supplie que vous êtes dans le faux, dans le véritable faux. L'islam ne vient pas du Dieu créateur. Le lion de la tribu de Juda. L'islam n'est pas le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que j'étais musulman. Et celui qui est venu se présenter à moi pour me montrer la Mecque, il s'appelle le Messie, le Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit que je suis le Dieu de l'islam, mais il a dit que je suis Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce nom puissant, alléluia. Ce nom puissant est venu m'enlever les yeux de l'enfer. Et voilà que ce serpent démon qui s'appelle Lucifer s'est redressé. Et maintenant, il m'a parlé. Il m'a dit, je suis très heureuse de te voir. Tes parents, côté paternel, a bien précisé. Quand je vois des gens, on n'est pas des démons, on n'est pas de la sorcellerie, on n'est pas des mondes de destruction, des esprits disent, je ne crois pas. Moi, j'ai cru. Ce n'est pas un être humain qui m'a montré. Il a fallu la miséricorde de Christ pour me montrer que le diable existe.
Et il a dit quoi? Le diable nous connaît. Il connaît nos noms. Il sait de quelle famille nous venons. Ce diable-là, qui est le serpent noir, qui avait deux dents dans sa bouche, j'ai bien vu ses deux dents, pointues, et sa langue, et me parlait. Il me dit, tes parents côté paternel m'ont donné à toi. Ils m'ont donné, ils t'ont livré. Et je suis ton époux. J'ai dit, mais comment ça? Ce que tu entends, il me dit, je ne comprends pas. Il faut bien m'expliquer. J'ai discuté avec le diable et le dieu de l'islam, qui est le serpent noir. Je lui ai parlé face à face. Parce que celui qui était derrière moi était fort. Alléluia. Était puissant. Yes. Était fort. Le bouclier. Ma gueule. Ce Jésus-Christ de Nazareth était devant moi. Je vous le dis, que le dieu de l'islam, qui est le serpent noir, n'a pas pu voir mon créateur, mon sauveur, alléluia, mon sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'a pas pu le voir. Il ne peut pas. Et il a dit, tes parents côté paternel ont livré à toi. Et je l'ai demandé, depuis quand je ne te connais pas. Et tu entends me parler, il faut bien m'expliquer. C'est côté paternel ou bien c'est côté maternel? Il me dit, non, je ne connais pas ton côté maternel. Je te parle de ton côté paternel. Tes pères m'ont donné en sacrifice. Ils m'ont dit qu'ils feront tout possible pour que tu viennes à la Mecque. Et je dois te consacrer comme Adja. Et ils m'ont dit que tu es mon époux. Mais ce qui me tombe, on avait décidé déjà la date. Et ce qui me tombe, tu es venu avant même que la date soit. Je vous dis que, bien-aimé, je t'ai dépassé. Il croyait que toi, tu es venu pour l'adorer comme des milliards de personnes qui vont à la Mecque pour l'adorer. Oui. Or, il ne sait pas que le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, est derrière toi et qui veut juste te montrer ce qu'il est. Oui, c'est ce qui s'est passé. Le vrai visage de Allah, de l'islam. L'islam. Voilà. Et le serpent me dit, mais tes parents, la date qu'on avait décidée depuis ta naissance, c'est pas cette date que tu devais être. Et puis maintenant, j'ai reposé la question au serpent de l'islam, le dieu de l'islam, qui était un serpent noir. Et il m'a dit, non, c'est depuis ta naissance. Quand tu es né, tes parents, tes parents côté paternel, t'ont présenté. Et ils m'ont présenté en tant que tu es mon époux et t'ont donné en sacrifice. Donc, ils savaient quelle date. Eux et moi, on savait à quelle date tu allais venir. Et à ma grande surprise, tu es venu. Je suis vraiment heureux, mais très étonné que tu es là. Mon époux, quand tu es arrivé, voilà les trésors que j'ai gardés pour toi. Le diable. Première des choses, numéro un, le diable me montre le monde, tout le monde entier. Il me montre les chefs de l'État. Il me montre les gouvernements. Il me montre les ambassadeurs, les ministres. Il me montre les chefs de tout pays, de toute tribu, de toute nation. Quand je vais dire nation, ça ne veut pas dire seulement l'Afrique. J'ai dit du monde entier. Et il me dit que toutes ces personnes travaillent pour lui. Et comme je suis son époux, toutes ces personnes fléchiront à genoux devant moi. Bien aimé. Il n'a jamais changé dans ce mensonge. Quand tu avais Dieu, qui peut être contre toi? Personne. J'ai commencé à sourire. Mais toujours, je sentais toujours la main droite de Dieu sur mon épaule droite. Il me montre la mer, la profondeur de la mer. C'est là que je vais découvrir que la mer, il y a un autre royaume. Il me montre la profondeur de la terre que nous marchons. On marche, on dit c'est le sable. Sous le sous-sol de la terre, il y a un sous-sol, il y a un monde. Il me montre les montagnes.
Nous voyons les montagnes comme ça dans nos villages. Mais quand on ouvre ces montagnes, il y a une porte dans ces montagnes. Même les forêts sacrées et tout. Même les pierres, les grottes. Au village, ceux qui ont vécu au village, les terres rouges. Tout ça me montre, il y a tous ces trésors. Il me dit, tout ça là, tous ces trésors là, vont être à moi. Il me montre tous les musulmans de chaque tribu, de chaque nation, tous les païens, tous ceux qui sont païens. Quand je dis païen, c'est païen. Femmes, hommes, enfants, jeunes. Ils étaient des milliers de personnes de toute race. Il me dit que toutes ces personnes fléchiront à genoux devant moi. Il me montre l'Angleterre. Il règne en Angleterre. Il me montre encore la Mecque où j'étais chez les Arabes. Les trésors. Ce qui m'a épaté, c'est la Banque mondiale. Je ne pouvais pas savoir que la Banque mondiale cohabitait avec le diable. Je vous assure, je ne pouvais pas y penser à cela. Malheureusement. Mais le diable m'a montré la Banque mondiale. J'étais dépassé. Que la banque aussi, il y a le signe de la bête. J'étais vraiment dépassé. Et il m'a montré tous les pays. L'Inde, l'Égypte, m'a montré tous les pays. Et j'ai vu tous ces peuples-là. Blancs, chinois, tous ces peuples. Noirs, métis, asiatiques, et tous ces peuples. Il dit, tous ces peuples-là vont me servir. Et que tous les trésors vont m'appartenir. Et l'heure est arrivée qu'on fasse cette fête-là. Pour me donner cette nomination. Et qui dit merci à mes parents côté paternel d'avoir permis. Et c'est une grande surprise pour lui. Il ne sait pas, on commençait à rire tellement il était dans la joie. Parce que quand il finit de mentir, il donne un rire à gorge déployée. Quand il finit de mentir aux gens là, il rit pour se moquer de leur acte, de leur sort, du traitement qu'il leur réserve en enfer là. C'est ça, il rit seulement. C'est ça, il rit. Et ensuite, il m'a dit, même dans les cieux, je serai couronné. C'est pas le ciel de Jésus, hein? Et quand il m'a montré tout cela, il a dit, j'étais là, je ne parlais pas, il dit, je te montre tout, mon époux, et tu ne parles pas, attends. Et un coup, quand je vois, il a baissé sa tête. Enfin, le serpent est comme ça. Il a baissé sa tête. Et tout autour, j'ai vu de l'argent, d'or, plein de bijoux et tout. Et le diable me dit, voilà aussi même, je te le donne maintenant. Et je lui ai dit, je peux parler. Je n'ai même pas laissé même qu'il finisse. Je dis, je peux parler. Il dit, oui. Je lui ai dit, d'accord. Tu as dit que j'ai été vendu, mes parents m'ont vendu à toi. Il dit, oui. Je dis, c'est bien. Et que mon mari à toi, il dit, oui. Je dis, dans mon mariage, j'ai été fait depuis que j'étais enfant. Il dit, oui. Je lui ai dit, tu dis que bien ce côté paternel, hein? Il dit, oui. Je dis, très bien. Donc tout ce que tu m'as montré là, ça t'appartient, du oui. Je dis tout ce qui est gouvernement, tout, ça t'appartient, du oui. Toutes les banques mondiales et tout, il dit oui. Tous les pays arabes, tout ça, même les Libanais et tout, il dit oui. Tout ce tribut que tu m'as montré là, vraiment, c'est, tout cela sera sous mes pieds, il dit oui. Et il me dit qu'il a réservé une montagne pour moi. Et un coup qu'elle a parlé, aussitôt j'ai vu la montagne. Et il dit, je serai en haut de cette montagne. Et regarde tout ce peuple. Et je vois la montagne. Et lorsqu'il part, je vois plein de peuples. Où il y a toute langue, toute tribu. Que toutes ces personnes vont m'appartenir. Et je lui ai dit, d'accord, c'est bien.
Bon, tu as dit que mes parents nous ont mariés. Moi, je n'étais pas encore conscient. Et eux étaient conscients en me livrant en sacrifice. Il dit oui, c'est ça même. Mais tu es mon époux, on doit faire le mariage et tout. Donc, je sais que tes parents t'envoient pour que tu sois Adja. Et puis moi, je faisais le reste. Je dis, bon, je voulais te dire que, ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici. Voilà. Il était surpris, il n'a plus parlé. J'ai dit oui, ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici, ça fait un. C'est comme ça qu'il a fait mes doigts. Ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici, ça fait un. De deux, c'est mes parents qui ont fait le mariage. Maintenant, moi, mes pères, là, côté paternel, là, c'est eux qui t'ont marié, ce n'est pas moi qui t'a marié. Parce que je n'étais pas conscient. Donc, c'est eux qui t'ont marié, ça fait deux. De trois, je suis venu te dire que je suis déjà marié. Yes. Voilà, en même temps, la colère. Je n'ai jamais vu la colère d'un serpent. Le serpent s'est été irrité d'une colère. Voilà comment il criait. Je veux pas. Comme ça, il criait. Ma voix est même petit. Que je n'accepte pas. Il crie même là. Normalement, ma voix est petite. Que ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Tu es mon époux. J'ai dit, calme-toi. Tu as parlé. C'est je me suis énervé. Et puis, c'est calmé. Il a dit, non. C'est mes parents côté paternel qui sont mariés. Ce n'est pas moi. Que moi, je suis déjà marié. Et il me dit, non, si tu étais déjà marié, tes parents allaient me dire que tu es déjà marié. Je dis, et j'allais savoir que tu es déjà marié. Et je lui ai dit, tu sais à qui je suis marié? Je vous dis, bien-aimé. Bien-aimé, quand je faisais ça devant le diable, je n'ai ni peur, ni crainte. Quand on dit dans la chanson, j'ai l'assurance Amen. De Parce mon salut. La main de l'Éternel te soutient. La main de Jésus-Christ est là. Oui. Alléluia. J'avais l'assurance de mon salut quand j'ai affronté le Dieu de l'islam. Cette chanson-là, j'aime beaucoup. J'ai l'assurance. Yes. Et je lui ai dit, il m'a dit, avec qui tu t'es marié? Je dis, tu veux savoir? Il dit oui. Je dis, tu veux savoir? Il dit oui. Je dis, tu veux savoir? Il dit oui. Je lui ai posé la question trois fois. Sans savoir que c'est la Bible. Nos pères qui est dans les cieux, qu'on nomme Jésus-Christ de Nazareth, a souffert. Et il est mort à la croix. Et il a été ressuscité le troisième jour. Mais je lui ai posé la question trois fois. Et il a dit, qui est ton époux? Et voilà ce qu'il va me dire. Qui est ton époux? Que celui qui est ton époux, il verra avec moi. Et il a dit ça, il a dit, mon époux s'appelle Jésus-Christ. Quand vous l'avez dit, Nazareth, je ne sais pas, a pris sa queue. Et Jésus m'a pris dans ses mains. Yes. Et en même temps, il a tapé le sol, je vous assure. Yes. Hey. Tous ceux qui faisaient le tour de la cabane, Seigneur Jésus. Beaucoup sont morts. Alors, Seigneur Jésus. Et en 1990, ils ont annoncé au Mali, encore du fort Burkina et tout, qu'il y a eu des morts. Wow. C'était moi que le diable devait tuer. Oh. Si vous vous rappelez, allez-y avant de l'an 1990. Allez, ce jour-là, sur Google. Ce jour-là, voilà. Ils ont annoncé, les Maliens ont pleuré, les Guinéens ont pleuré, les Ivoiriens ont pleuré. Parce que j'étais là ce jour-là, avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le serpent a fait tomber sa queue. Et il y a eu des morts. Il a été outragé. Et beaucoup en sont morts ce jour-là à la Mecque. Oh, c'était moi qui devais mourir. Ils n'ont pas digéré d'avoir perdu ton âme. Ils n'ont pas supporté que tu le dises en face que ton âme l'a échappé. Que tu refuses de l'épouser et que ton époux s'appelle Jésus-Christ.
Il n'a pas digéré ça. Il n'a pas digéré. Hmm. Et ensuite, Jésus m'a pris dans son un bras. Yes. Et quand il m'a soulevé, yes, j'étais toujours un enfant. Il a pris maintenant le deuxième pour me tenir. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, maintenant l'heure est arrivée. Yes. Je te ramène à la maison. Oh, quand le Seigneur m'a pris et m'a ramené à la maison et il m'a déposé, je suis devenu, je ne suis plus un bébé, j'ai repris ma forme. Mais quand j'étais auprès du diable, j'avais cette taille-là, mm-hmm, devant le diable. Taille normale. Taille normale. Mm-hmm. Mais quand Dieu doit me transporter, je deviens comme un enfant, un nouveau né. Et quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur a dit, voilà, tu connais maintenant la vérité. Oh. Je t'ai montré de quel Dieu tes parents musulmans adorent. Dans ce n'est pas moi qu'ils adorent. Dans tu as vu le Dieu que tes parents adorent. Tu as un choix à faire. Ah. Et dans la lumière glorieuse de l'Éternel, j'ai saisi. Alléluia. Il s'est fait retourner quand il est saisi. J'ai senti que c'est son habit que j'ai tenu. Et le Seigneur s'est retourné. Yes. Et voilà ce qu'il va me dire. Raï, pourquoi tiens-tu mon soutane, mon vêtement? Mm-hmm. Je lui ai dit, étant genou, je me suis engenoué et rabaissé ma tête. Et je lui ai dit, je ne te laisserai pas partir. Mm. Et il a dit, comme je te l'ai dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Yes. Tu as un choix à faire. J'ai dit, je ne te laisserai pas partir parce que j'ai déjà fait mon choix. Alléluia. Et je préfère te dire mon choix. Yes. Je vais te suivre. Alléluia. Et marcher avec toi. Alléluia. Et il a dit, de la même manière, j'ai dit à Abraham de sortir dans la maison de ses pères. Maintenant, il est l'heure que tu sors de la maison de tes pères. Yes. Partout où tu seras, je serai avec toi. Alléluia. Oh, partout où tu seras, je serai avec toi. Amen. Ceux qui te combattront me combattront. Mm. Ceux qui te maudiront seront maudits. Mm. Ceux qui te béniront seront bénis. Alléluia. Et il a dit, une pierre, la maison qu'on bâtit là, pardonnez-moi, je ne sais pas bien parler le français. Mets-toi à l'aise. Quand on bâtit une maison, il y a toujours une pierre. Oui. Une pierre angulaire. Mm-hmm. Il dit, c'est comme ça. Tu es cette pierre. Alléluia. Et il a dit, tu as vu le fourmi noir caché dans un trou noir. Mm. Ça veut dire même partout où tu seras, que tu rentres dans les ténèbres, je serai avec toi pour te faire sortir dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vu ces beaux paroles que le Seigneur me disait. Oh Seigneur. Et dans mon cœur, je disais, mais je vais quitter tout. J'ai tout chez mes parents. Dans mon cœur, quand le Seigneur me parlait, il dit, suis-moi et tu verras. Alléluia. Tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire, suis-moi. Alléluia. Et il a dit, Raï, il est l'heure que je parte. Sache que je serai avec toi. Ne t'inquiète pas. Et c'est là, j'ai laissé la robe et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te suis. Et l'Éternel est parti. Elle est partie étant en genoux où j'étais. Jusqu'à ma famille va se lever pour la prière. Ils sont venus me trouver que je suis en genoux là. Ils sont venus me taper. Mais l'onction de Dieu est partie, mais l'onction est toujours sur toi. Sur moi. Yes. Et étant en genoux, je vous ai su bien aimé. L'onction faisait que mes larmes coulaient, mais ma tête était sous le sol. Parce que je n'ai pas vécu en tant que le songe. C'était ta réel. Réalité. Vivant. Vivant. Je n'ai pas dit que je dors. Et puis, dans le songe, j'ai fini le songe. Puis, elle me réveille. Non. Une vraie révélation. J'ai vécu la réalité. Voilà. Même quand j'ai saisi sa robe, quelque chose m'a traversé. Yes. Mais ce qui m'a
traverser la semi puissance. Yes. Alléluia. Et je vous assure que depuis ce jour quand Jésus m'a visité, mes parents savaient qu'il y a quelque chose qui avait changé en moi. Alléluia. Juste là, ils m'appellent pour me demander qu'est-ce qu'il y a. Je dis, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il n'y a rien. Bien-aimés, frères et sœurs, père, mère, sœur, petit frère, petit sœur, on est dans la religion musulmane. Même pour quitter nos parents, c'est difficile. J'ai passé par là. Quelqu'un qui avait tout à sa disposition, qui avait sa chambre, qui avait tout ce qu'elle voulait. Bien-aimé, j'ai regardé l'amour que j'avais pour mon papa. Mais vous savez, quand Jésus aime là, il ne s'arrête pas. Hein? Il ne s'arrête pas. C'est le diable, sa main est limitée. Où le diable arrête là, c'est là-bas Jésus commence. Alléluia. Et puis ça devient fin. Yes. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Tellement j'aimais mon papa pour le quitter, c'était dur. Mais Jésus est venu me montrer. J'ai fait le cœur dur. J'ai dit non. Je ne peux pas laisser l'islam. Et à comment je suis à l'aise. Mais au fur et à mesure, je vous assure, le Seigneur maintenant, comme je l'ai augmenté face à face, le Seigneur maintenant venait en songe pour me dire, aïe, l'endroit qui va me parler, le ciel s'ouvre. Le tonnerre gronde, boum, je me réveille. On est là-bas quoi. Puis j'entends la voix audible de Dieu qui me dit, raï, je dis, quitte la maison de tes pères, comme je l'ai dit à Abraham, de quitter la maison de ses parents. Le Seigneur intervenait. Ils ont fait réunion, moi, appelé. Dans la famille. Dans la famille. Ma tante et son mari et d'autres personnes m'ont dit, on te voit, tu es devenu bizarre. On sent que tu ne pries plus. Ça avait commencé. Même quand tu es avec nous, tu es ailleurs. Je leur disais, il n'y a rien. Ils me posent, je dis, il n'y a rien. Parce qu'avant de quitter ta famille, il faut te préparer dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Avant de prendre une décision. Je vous assure, je voulais augmenter aussi la puissance de Dieu et je l'ai fait. Étant dans la prière avec ma famille, quand ils sont en train de prier, puis Simlaï, Roman, Wahim, le Sourat, moi je vois le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, si je comprends bien, après les révélations, tu as continué d'abord aller à la mosquée. Je ne partais plus à la mosquée, mais les prières du soir, on le fait avec la famille. Ok, tu vous faites ça rater. En famille. On fait ça en famille. Voilà. Mais je ne partais plus à la mosquée. C'est ça. Et tant que tu es dans la famille, tu dois prier Allah. Allah. Maintenant, toi... Quand il priait, moi j'invoquais le sang de l'agneau. Alléluia. Et il se retournait. Mon oncle se retournait. Mais les yeux étaient braqués sur moi. Et puis, je dis dans notre langue, « M'en fouille, ça veut dire que je n'ai rien fait. Et les femmes aussi l'ont tué. Mais tu as prononcé le nom de Jésus là, en silence. Ça veut dire que, voilà, je parle. Mais ils sont en train de prier. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Tu priais, la bouche fermée dans ton cœur. C'est ça. Et tu pries Jésus au lieu de prier Allah. Mais malgré ça, ils se retournent. Ils ont senti. Ils ont senti. Parce que c'est spirituellement. C'est spirituel. Yes. C'est ce que je te demande aussi de faire. Et je vous dis, il y a un frère qui a fait la même chose. Quand il a quitté l'islam, il est encore jeune. Il a suivi nos publications. C'est un musulman. Il est né musulman. Il ne sait pas quoi faire. Quand il a suivi nos publications, il est convaincu et en même temps, son cœur s'est détaché de l'islam. Donc,
qu'est-ce qu'il va faire? Voilà qu'il est encore sous tutelle des parents. Or, ses parents sont radicaux. Ce qu'on appelle radical, religieux, islam. Non, c'est que c'est des gens, ils sont prêts à couper la tête de leurs enfants. Juste à cause de Allah. Parce que le Allah, là, aime boire beaucoup du sang. Donc, ils sont prêts à couper la tête de leurs enfants tant que quelqu'un refuse, un de leurs enfants ou bien quelqu'un de leurs proches refuse de servir Allah. Là. Ils sont prêts à tout contre la personne. Donc, ce jeune homme a peur. Il a peur parce qu'il est encore jeune. Mais voilà qu'il est convaincu de la vérité qui est en Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ce que je vous dis là, ça s'est passé récemment même. Le ramadan passé seulement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il ne pouvait pas prendre une décision à son âge, parce qu'il est encore le petit déjeuner, tout ça, c'est avec les parents. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va à la mosquée avec les parents, au moment où les parents prient Allah avec leur chola, quand lui, il fait comme ça, c'est Jésus. Quand il fait comme ça, c'est pour appeler Jésus. Amen. Tout ce qu'il fait, il le fait et il appelle Jésus dans son cœur. Yes. Et le troisième jour, il est le jeûne de Ramadan qu'ils ont fait. Lui-même, il a commencé le jeûne de Ramadan comme voulu par ses parents. Il n'a pas même le droit de faire un petit signe que ah, il veut quitter l'islam. Il n'y a pas ça même. Donc, il a commencé le carême de Ramadan avec eux. Donc, il a dit que quand il a commencé le carême, il a dit que lui, il veut faire le carême au nom de Jésus. Donc, il a, dans sa prière, il a dit: Jésus, j'ai cru en toi et je suis convaincu de tout ce que j'ai appris sur toi. Mais je veux que pendant ce moment-là où j'ai décidé, au lieu de prier Allah, de prier Jésus là, je veux que tu te révèles à moi pour me certifier que je n'ai pas suivi un faux Dieu. C'est la prière qu'il a fait. Amen. Et le troisième jour, le roi des rois. Amen. Le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à lui. Oh Jésus, tu es mes. Et Jésus lui a montré des choses terribles. Jésus lui a montré des choses cachées. Et Jésus lui a montré l'enlèvement. Et Jésus même lui a donné des messages aux chrétiens du monde entier que nous avons déjà publiés. Amen. Alléluia. Amen. Toi, musulman, qui m'écoutes, il faut aussi faire essai. Pour prier Allah. Dis à Allah de se révéler à toi. Pour ne pas voir que c'est les cornes de Satan que tu vas voir. Je te dis la vérité. Dis, prie. Pour demander si Allah est vraiment Dieu là. Qui n'a pas, qui n'a qu'à se révéler à toi. Je te dis, c'est un défi que je te lance. Si ton Allah est Dieu, toi aussi il faut prier. Pour demander Allah. Voilà, les gens sont en train de t'embêter ici là. Réveille-toi à moi. C'est Satan que tu vas voir. Réponds-toi, sors de la folie. Ils t'ont menti. Ils t'ont menti. Et tu as vendu ton âme à un serpent qui va te ronger en enfer. Meurs pour voir. Mais Jésus ne veut pas que tu meurs dans cette ignorance. C'est pourquoi il te tend la main et veut te sauver. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans ça que je vais voir un peu la puissance de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les prières, j'invoquais le nom de Jésus et le sang de l'agneau. Donc, quand vous priez avec la famille à la maison, au moment où les autres prient, Allah intérieurement
vous priez Jésus. Et qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est qu'il se retournait comme ça et il me regardait. Et moi, je faisais l'enfant innocent qui n'a rien fait. Pourtant, au fond, je sais que j'ai fait. J'ai fait la prière de Jésus, Christ de Nazareth. Et même que ce n'est pas une fois, deux fois, c'est plusieurs fois que je faisais ça à la maison. Et arrivé un moment même, j'ai mon oncle qui a commencé même à soupçonner. Et même étant dans la maison, quand ils invoquent la prière, comme Dieu avait ouvert mes yeux, je voyais les démons déchaînés à la maison. Mais en ce moment-là, je ne savais pas tête de démon qui est dit, qui a plusieurs têtes, ça signifie quoi. Je voyais même des démons qui avaient des corps, qui étaient les vilains qui étaient dans la maison. Même quand la fête musulmane arrive, qu'on doit tuer même le mouton. Le tabaski. Quand ils font la prière à la mosquée, qu'ils viennent, on doit tuer le mouton. Et on attache les moutons là, qu'on doit distribuer dans le quartier et tout. Qu'ils prient sur les moutons pour les tuer, pour faire un sacrifice. À travers les moutons qui se tuent, je voyais des démons. Ah. Avec des cons. Alléluia. Voilà un sujet qui intervient dans ce témoignage très très puissant. Jésus-Christ a été clair. Rien ne restera caché avant son avènement. Elle est en train, elle aborde maintenant les fêtes, je vais dire les fêtes parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les fêtes de Ramadan, fête de Tabaski, fête de Maouloud, fête de... Ils ont beaucoup de fêtes. Oui. Mais elle dit que lors de ces fêtes, et pas précisément de la Tabaski, mais moi je généralise pour dire que toutes les fêtes musulmanes... On viendra dessus. Elle dit que quand on prend le mouton pour égorger lui... Le Seigneur ouvre ses yeux et elle voit que les démons, elle voit des démons qui entrent dans l'animal qu'on est en train de sacrifier. Justement, quand ils prennent l'animal avant d'égorger, ils vont prononcer des paroles incantatoires, des paroles maléfiques, des paroles coraniques, des versets coraniques sataniques. Ils prononcent ça dans les oreilles de l'animal avant de l'égorger. Et quand il finit de faire ça maintenant, ils vont mettre ça sur le feu dehors. Et ça attire l'appétit de tout le monde. Et il y a même des faux chrétiens. Des faux chrétiens qui regardent ça. Et on vous dit que ne mangez pas ces choses impures. La Bible nous interdit de consommer la viande sacrifiée aux démons, sacrifiée aux idoles. Les gens détestent votre Dieu. Ils rejettent Jésus-Christ comme Dieu. Malgré l'amour que Jésus a pour eux, mais eux, ils disent que Jésus-Christ n'est pas leur Dieu. Mais ils vont sacrifier leur animal à leur Dieu, à eux, et ils t'invitent à manger. Depuis quand toi, tu l'as invité à ton baptême? Nous ne parlons pas pour dire que de fuir les musulmans, non. Celui qui est dans les ténèbres, si tu le fuis, comment tu vas le sortir des ténèbres? Il faut que tu t'approches de lui pour lui allumer la lumière. Mais si tu t'approches de lui, tu pas, et tu pratiques encore ce qu'il fait, c'est que tu es en train de l'encourager pour dire que ce qu'il, là où il est, il est bon. Toi qui consommes la viande, les viandes sacrifiées aux démons islamiques là, c'est toi je te parle. Sors de l'ignorance. Plusieurs parmi vous, faux chrétiens, en consommant ces viandes sacrifiées, vous êtes possédés. Vous êtes possédés. Quand, lors de leur fête, de Tabaski, de Ramadan, je ne sais quoi, si vous amènent leur viande là, faites-les asseoir et dites-leur, moi aussi j'ai une viande à te donner.
J'ai aussi une nourriture à te donner. Est-ce que tu vas manger? S'il te dit, mais quelle est ta nourriture? Tu vas lui présenter la parole de Dieu, l'évangile de la bonne nouvelle. Voilà ce que tu vas faire pour confondre les musulmans. Tu vas voir que si tu fais ça une fois, deux fois là, il ne va plus préparer sa viande pour te donner. Mais avant même qu'il ne te donne, c'est toi qui, quand tu vois la viande, tu commences par bailler. Tu commences par bailler. Parce qu'il y a viande de tabassi. Sortez de l'ignorance. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et ma soeur continue. Donc c'est dans ça, de, quand je, comme je l'ai dit, je ne connaissais ni vision, donc je mangeais et tout sans voir ce qui se passait pour les sacrifices de moutons et tout. Ils disent que non, le Coran nous dit que quand Abraham, est, Dieu a dit à Abraham de prendre son seul fils unique et de reconnu par Jésus, ce que les musulmans oublient. On dit que nous sommes les enfants du premier fils de Abraham. Mais si c'est vraiment le Dieu d'Abraham et d'Isaac qu'on adore, c'est que Jésus a tout payé à la croix. Alléluia. Mais on fait toujours les sacrifices en croyant que c'est les sacrifices d'Abraham quand Isaac devait mourir et que Abraham a donné un mouton. C'est comme ça, eux, ils voient la chose. Or, la Bible aussi dit, quand je suis venu dans la Bible, dans la vie chrétienne, les instructions, les enseignements, nous a dit que Jésus a tout payé à la croix. Alléluia. Et ce qu'il a fait comme... Le comme dernier tout, sacrifice a eu lieu à la croix de Golgotha. Tous les autres sacrifices, sacrifices de moutons, que ça soit à Allah que vous faites, ou bien que ça soit au vaudou, tout ça, tous les sacrifices que vous faites encore, sacrifice de mouton, sacrifice de poule, de coq, sacrifice de bœuf que vous faites encore aujourd'hui là, vous les sacrifiez pour Satan. Je le dis. Vous le savez aussi très bien que ce que je dis est vrai. Continue. Donc dans l'ignorance, par la grâce de Dieu, il a ouvert mes yeux. Et malgré ça, je fais toujours en famille. Et lorsque la fête est arrivée, ils ont tué le mouton. Dieu m'ouvre maintenant encore les yeux, qui est le don de vision. Allez. Je vois qu'ils sont en train de faire le sourate. Et quand ils ont fini de faire les prières pour honorer Allah, qui est Lucifer, ils ont tué le mouton et je vois deux démons. Grands, géants, vilains, lettres, qui ont des cornes, qui ont des peaux vraiment très vilains. Poilu vilain, très vilain, qui ont des queues, en tout cas, qui ont des pattes larges et tout, qui ont des mains là. En tout cas, ils sont vilains. Et c'est donc ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, depuis que j'étais avec eux, donc c'est à l'honneur de ces démons-là que moi, je m'en tiens le mouton. Donc, c'est ces démons-là que tu prenait dans ta vie en mangeant ces viandes. En mangeant ces viandes. Et quand lorsque ils ont fini, ils ont partagé, et ce qu'on devait préparer, ma famille doit préparer pour qu'on mange, on m'a dit avec mes frères d'aller les aider à partager la viande dans tout le quartier. Mais bien aimé, comme j'ai vu que c'est des démons, j'ai pris la grande bassine. Et moi, on était trois, on a attrapé. On est arrivé, il a dit à mes frères, toi, donne. Je donnais plus. C'est très moi, bien. J'en avais donné. Mais je ne donnais pas, je disais, eux, mais n'ont qu'à donner. Et quand je suis venu à la maison, bien aimé, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Et même quand ils ont préparé, je joue à la paresseuse, pareil, je vais vivre. Et ça, même si tu expliques à la famille, ils ne peuvent pas te croire. Ils vont dire non, elle a vu des génies, c'est pour cela. Non, j'ai bien vu qu'on tue le mouton en sacrifice. C'est des démons qu'on invoquait. Donc, imagine quelqu'un de plus petit, on fait les sacrifices et je mange de plus petit jusqu'à mon âge. Imagine combien de démons j'ai cessé. Donc il a fallu que Jésus-Christ, je le rencontre
pour qu'il puisse ouvrir mes yeux, que je vois ça. Et ce jour, je n'ai pas mangé. Le Dieu des musulmans, Allah ne peut jamais montrer ces choses parce que c'est un Dieu aveugle. C'est vrai. Il n'a jamais montré quelque chose à quelqu'un. C'est dommage. Donc, depuis ce jour, j'avais pris la révolution de ne plus manger le mouton. Mais ce n'est, on dit ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par aussi par ta chair que tu pourras arrêter. Mais j'ai demandé que Seigneur, si tu es avec moi, aide-moi à ne plus manger ce mouton. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que tu étais toujours dans la famille. Dans la famille. On va te faire les soupes, les pépés soupes. On va te faire les presses, les brochets. Et puis tu vois, de ce bon repas-là. C'est pas facile de rejeter. Les bonnes choses, c'est pas facile. Mais malgré ça, le Seigneur me disait à chaque moment, quitte, comme j'ai dit, Abraham, de quitter. Et ils ont vu que mon comportement a changé et tout. Ils m'ont fait asseoir. La famille, ils ont fait réunion contre moi. Et ils ont vu que ma décision était prise. Eux aussi, ils ont pris leur décision. Et j'ai décidé, quand ils ont pris leur décision, je n'ai pas quitté un coup. Et quelle est cette décision? Qu'est-ce la décision de les suivre. Ça veut dire que. Ils te présentent le choix de rester. 100% dit, avec eux. Ils m'ont dit, si tes parents tournent à gauche, tu dois tourner à gauche avec eux. Si tes parents passent à droite, tu dois passer à droite. Et que dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il n'y a qu'un capitaine. Donc nous, on ne peut pas aller à gauche et puis toi, tu vas aller à droite. Ou bien nous, on ne peut pas aller à droite et toi, tu vas aller à gauche. Donc, prends ta décision. J'ai décidé de prendre mon chemin. De quitter la famille. La famille. Pour être libre, indépendant. Indépendant. Pour suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Mais après ça, pour vous dire la vérité, après ça, j'ai ma foi à balancer. Mais il ne voulait pas me laisser partir. Je voulais dire aussi ce petit point-là. Parce que tous ceux qui vont quitter la religion musulmane, sachez que le diable est rusé et très malin. Après ça, mes parents m'ont proposé, mon oncle m'a proposé et ma tante m'ont proposé que ce que je veux faire comme commerce, ils vont m'aider. Ils seront là pour m'aider, voilà. Pour me soutenir. Dans toute religion musulmane, si tu dois quitter tes parents, ils vont te proposer des bonnes choses. Voilà. Ça, il faut que je suis ça pour aider mes frères et mes soeurs musulmans. Ceux-mêmes qui sont païens aussi, que les parents sont durs envers eux, de ne pas les lâcher aussi. Les parents vont te proposer de belles choses. Comme aussi Lucifer avait fait avec moi quand, lorsque le Seigneur m'a élevé. Mais quand Jésus, quand on dit quand le temps de Dieu arrive, c'est arrivé. Nul ne peut arrêter la main de Dieu, qui est le créateur de la terre et du ciel. J'ai pris un châssis, j'ai mis tricot, pain et tout. Maintenant, je suis sorti de là-bas. J'avais pris ma décision sans, c'est-à-dire la dernière décision, je suis parti sans qu'ils sachent. Ils savaient que j'allais partir, mais le jour précis, je ne les ai pas dit. J'ai quitté la maison. Et c'est là que j'ai commencé à aller dans la ruche.